Tu es ma scandaleuse. Ma scandaleuse. Ma scandaleuse. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Pinou. Et on se retrouve pour... Barbie, au pays des Scandinaves. Deux. Comment allez-vous les gens? Et donc on se retrouve avec le poivreau pervers qui va arriver normalement d'une minute à l'autre. Le poivreau pervers qui a sa propre chaîne, Tra60Tête, n'hésitez pas à y aller. C'est une super chaîne si vous voulez voir des... des poivrons pervers. Oui, ta gueule. J'aurais pu faire la mise à jour, je suis con. Et alors, et mon slip, il a pas fait de mise à jour. Hein. Et donc, précédemment, nous avions fait le chapitre 2 avec nos deux personnages, un épisode 2 du mode commando, et il faudra qu'on se fasse Outbreak. Il faut que je pense à finir mon jeu de quiz spécial jeu vidéo pour que Steve galère dessus. Vous n'êtes pas connecté au Schlicksnockknive. C'est qui Schlicksnockknive? Je ne connais pas ce Schlicksnockknive. La langue des audacieuses. Ah, salut tout le monde. Bon, au moins ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'il est tellement large chargé que j'ai le temps de me prendre un Pepsi. Bon. Alors. J'ai vu. On va normalement bientôt faire Warface. Ouais. J'espère. Ce soir, j'espère au moins. Je sais pas. Non. Alors bah et prochainement je pense No More aussi, notre truc mensuel. On va l'avoir ce putain de train, on va l'avoir. On avait fait les habilités, je m'en rappelle plus. Oui. Non, bon, mais on l'aura ce putain de train, t'es d'accord? Peut-être, on va le violer. Peut-être pas le terrain, on va pas faire le même niveau. Je m'en fous, je veux ce putain de train. Tu vas pas me faire chier. Bah je vais chier. T'as une neige dehors. Ouais, comme des cerfs. Ah, je me rappelle cette phase. Très chante. Ça va plus. Deux Wesker. Oh mon dieu. Oui, c'est moi. Resident Evil. Révélation 2. Oh, j'espère. Yop la boum. Les deux, trois, le verdict. Mais la vérité, c'est vrai. La vérité est invisible, elle ne peut donc pas connaître ce qu'elle dit. Indivisible. Je sais. Michel. Je vais pas pouvoir me lire quand même. Y a Alex Wesker aussi maintenant sur le forum. Ouais. Ouais. Et bientôt les vidéos de Minecraft sur, de Steve. Ou je rage quitte. Non, t'inquiète pas. Alors mettez un pouce rouge à sa vidéo si vous êtes pas content que Damien mais. le mec salaud. Non, mettez un pouce bleu si vous êtes pas content de Damien. Et désabonnez-vous de sa chaîne si vous êtes abonné. La chaîne à Damien bien sûr. Et abonnez-vous sur celle de Steve si vous l'êtes pas encore. Alors déjà qui t'en veut en ce moment, mais alors là... là il... Vu que c'est une taupe, il va encore me faire un trou dans le parquet pour des boulets et nous faire chier. Lol. Claire, alors ? Insecticide. Claire, je crois qu'il fait sombre. Aucun signe d'elle. Que s'est-il passé ? Je crois que Pinou, il est déboussolé maintenant. Oh mon dieu, un papier. Où ça, papier? T'as marqué en grand, suce-moi. C'est écrit. Comment ça, la papier? Le niveau de l'eau, il est assez bas. Tu touches à mes princes, t'es mort. Ah, à chaque fois, j'oublie de faire quoi.
Sinon je me barre. Vivement le niveau, il fait tout le truc avant de s'en rendre compte. Ah mais merde, j'ai oublié de mettre cop. Je veux rebrousser chemin. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu la gamine. Oh, mais c'est comme quand tu la perds dans un centre commercial, c'est pas grave. On continuera de la chercher en hein. T'es d'accord? Ouais. Quelqu'un a mystérieusement verrouillé la porte. Oh, on peut pas faire les gimmicks comme en commando. Je ne peux pas. Hein? Arrête-toi. Ah. Ce que j'adore, c'est ouais. Je peux pas faire les gimmicks comme en commando. Ce serait marrant. T'es d'accord en mode campagne? Ouais. Donc, Claire, pourquoi le boss viendrait ici? Je ne sais pas. Il est bouché. Ce qu'il a à faire. Pour ça. Restaurer mes travailleurs. À quoi d'autre? Bon, ben y'a rien. Deux. À un moment dans ce niveau, on va enfin voir Stuart. Le pote à. Ouais. À Alex. Il va être très sympathique, je vous le jure. Oh, de pizza pompée. Pompée. Ah, tu sais que t'es quoi. Chiant, hein. Tu me narres avec tes armes. Très bleu. Je me narre. Eh, c'est moi. Petit quoi. La mérite plus que toi. Alors, combiné. Non. Combiné, non. Combine. c'est trois tissus le même. Hein. Pourquoi je peux pas les assembler ensemble, c'est con. Hein ouais. C'est parce que c'est du PQ. Bah un tissu, tu le mets sur l'autre, puis sur l'autre, et t'enroules le tout. Voilà. Ça te prend un emplacement. Parce que c'est un bloc de tissu. C'est en marbre, tu sais. Le mec quand il s'essuie avec, hein. En fait quand il se le prend en pleine gueule, ça fait mal. C'est un nil. Ah bon, Prométhée, il promet? Non. Non, 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 je veux pas croiser Kratos. Non mais dès qu'on se met dans la mythologie grecque, il vient pour nous casser les couilles. T'as un pied de biche ici. Hein? Où ouais. Ça, un pied de biche, j'en ai déjà un. C'est un pied de biche amélioré. On doit se dépêcher. C'est pour ça que je prends mon temps. Besoin de toi. Ah, de... Besoin de toi, envie de rien. Comme j'aurais envie de personne. Besoin d'amour. Ta gueule la montre. Ah oh, c'est la montre qui t'a dit ta gueule. Hashtag. Ça a l'air coutumien. Bah je mets mes yeux, ça marche pas. Bon sang. Ah toi tu vas être content dans le quiz, il y a des questions Gear of War, God of War. J'essaie ouais. Vraiment de faire des questions mais pas sur la même série. C'est pour ça que là je vais me refaire le quiz en entier pour être sûr que je refais pas une même série de jeux. Et... Je me rigole si je rate, enfin si je réponds mauvais à une question sur God of War ou Gears of War. En tout cas t'es chaud. J'espère que tu viens bien pour les prochains jours là. Oui. Ok bon il y en a un heureux. Hein. Et là je regarde, il te donne une caisse de ravitaillement, enfin puisque c'est là mais. Pile poil à la seconde salle. En tout cas, hier, j'ai attendu Steve toute la journée pour que finalement il n'aille qu'à 23h sur le forum. Mais bon, moi je suis venu. Hein. Casse la vitre. Aïe. Claire. Petit coquin. Comment il t'a agressé de travers le mur l'autre là? Non c'est en fait il m'a tapé avant je coupe le mur. Faut faire gaffe, il y a peut-être des emblèmes. Ouais justement ça sert plus l'emblème. Ici ça m'a pas peur gentil ici si t'avais une emblème ici. J'ai cru ici, ça veut dire on était passé par là dans le 6. Hein? Ce serait marrant ça. J'adore me les prendre. Oh, quand t'as une régénération automatique. Mais c'est marrant. Tu t'en fous, on va dire. Non, si je m'en prends trop d'un coup, je meurs. Eh, hey, la bouteille. Eh, hey, non. À quoi, je vais faire de l'alcool. Mais moi, je veux en faire. Ah bah, tiens. Merci, Michel. Alors, je t'ai donné mon alcool. Eh, hey, hey. Ah non merde, excuse-moi, je te donne un petit... Ça c'est bâtard par contre, moi je peux pas t'enlever le truc quand je mets mon menu, mais toi si t'appuies sur menu, tu me l'enlèves. Regarde, réessaye. Appuie sur menu, voilà, tu me l'enlèves, ça c'est bâtard.
Bah, soit tu fais un cocktail Molotov, soit une bombe artisanale. Alors. C'est comme tu veux. Ah non, c'est une lame explosive. Ouh. Ça, ça m'intéresse. C'est comme toi, vous. J'ai pas encore testé. Hein? Ça, c'est sympa, mais ça met un peu de temps à péter. Et ça fait quoi? Ça va attirer les ennemis, normalement, ce qui paraît. Tiens, je fais de l'alcool encore. Hein. Je sais qu'elle met à ça. Ouais. Dans ma Benz. Désinfectant. C'est pour essuyer ta gueule, on va dire, quand t'es. Ça peut être utile. C'est qui le gros russe qui parle? Nikita, on t'a reconnu là! On t'a reconnu! Fais pas le cachotier! Oh, du tissu! J'en comprends pas ce qu'on a là, c'est là. Tissu! Ouais, tissu! C'est bizarre, mais ils ont pas fait le coup de Capcom là, les chiottes là, ennemis! Le tissu, c'est un ennemi. Bon. Bon. Ah non, non! On se sépare! Ah non, bah si, ils ont fait le coup. Capcom est de retour. Capcom et ses chiottes sont de retour. Oh, de la bleue. Ah, se fermer de l'autre côté. Et moi, je sais où il faut aller, mais bon, je fouille un peu. Ouais, moi aussi. Bon, c'est joyeux. Pour ça, on se sépare. Mais elle est passée où, Claire? Scooby-Dooby, Claire. Où es-tu? On a vraiment besoin de toi, salope. Tu sais, là, t'es en train de faire tout un tour, hein. Je sais, mais ah, c'est comme ça qu'on y allait, j'avais pas vu. Ouais, putain. J'étais en train de faire la casse, un ennemi. Claire. Tu sais, bien, tout à fait. Ouais, mais attends, d'abord on fait ton truc. Et d'abord on fait ça. Il faudra revenir dans l'autre truc, c'est pour ça. Attends. Hein? Prends l'œil. Ah, ça, je sens bien. Ouais. T'as vu ça? Et non, dis-le. Tout ça, on va pas arriver à l'énigme. Te conseille de t'accroupir quand même. Regarde, il y a une clé dans son bec. Compliqué, toi. Essayons de la récupérer. Voilà, maintenant on peut relever. Et là, on peut prendre la clé. Eh, c'est bâtard. Faut attendre qu'elle pique, que pète ce truc là en fait. Attends que. Ah, elle prend pas le truc là. Allez. Attends, laisse-moi. Je rigole ce qu'il a pris, tu l'as. Attends. Attends, remets juste. On va tester un truc. Quoi? Tu appuies sur la porte au moment où je lui dis. Sur 3, 2, 1. Ça marche pas. Ça, c'était bien forcé, mais on peut pas. Oh, ça aurait été marrant. Ouais. Ah, je suis sûr que si on peut. Je suis sûr qu'on peut si on cheat. Mais peut-être en cheatant, mais bon. Le jeu il va pas accepter bon, ça. Par contre, je repasse par ton truc là, parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Ouais, mais attends, j'ai un gros l'oreille. Voilà, je saigne, c'est super. Ah mais c'est quoi ces monstres quittés là-haut? Bon moi on a de la bœuf là pour une fois. Ouais. Je te filerai pas la mienne, tu peux aller te faire foutre. Mais t'es coupé, tu devrais me la donner, parce que tu t'aimes pas. Mais tu vas te faire foutre, t'as pas 4 handicapés. Très handicapé. Ouais. Eh toi tu crèves j'ai dit hein. Lui je lui fais. Moi je vais vraiment saigner là un peu là. Oh la poudre de la canon. Alors. Alors, la poudre de la canon. La poudre de la canon. Bon, tu crèves, lui, ou merde. Faut de la bleue. Hé hey. T'as qu'à pas être une fiotte, hein. Lol. Ça fait que c'est pas toi qui aime. Qui a pas de régénération, je dis, hein. Oh là là. Et il nous faut l'œil. Hein ouais, je sais. Alors, faudra en revenir. Non, je sais pas, j'ai pas compris. Ah, mais attends. On se fait par là. Non, mais Claire, arrête de monter les trucs. Ah bah oui, on a une clé, c'est vrai. Bah attends, faut aller en bas maintenant. Bon, je te laisse faire un énigme parce que moi, je pourrais pas la faire. Juste casser ces gars-là.
Hors synchro. On a enfoncé la même clé sur nous. Hein. Toi, t'as rien compris, Nini. On va voir s'il va comprendre à un moment donné. Ah, faut pas s'arrêter. Non, mais je pensais que c'était, tu sais, un temps donné avant qu'il tire, quand je voyais les vidéos. C'est pas, tu t'arrêtes, il tire. Non, je te laisse comprendre la ligne. En fait, c'est tant que tu bouges, il tire pas, c'est ça? Avant de courir, réfléchis ce qu'il y a sous le sol. Je te laisse deviner l'énigme. Attends, mais alors là, attends, cerveau de mollusque là. Réfléchis bien, tu verras bien. Et pourquoi il y a un con qui gueule derrière? L'indice, c'est faut que tu tues ta torche, quand même. T'aimes bien te faire tirer dessus? Donc, je t'explique. Attends, je vais réfléchir. Je vais courir quand même. Ça marche, hein? Non? Non mais je veux dire, pour éviter les lasers, parce que dans le truc, le mec il courait, il se faisait pas tirer dessus. Non, non. C'est parce qu'il était éclair, c'est ça? Non, mais c'est ce que ça tire chaud de toute façon. Je t'ai dit, l'indice, c'est la talent torche. Il faut que je leur file. Venez, s'il y a vraiment la torche. Allez, je vais te prendre la torche. Bon, réfléchis bien, on va me descendre. Je comprends un peu. Faut que j'en prenne ce chemin? Oui. Eh ben, c'est ce que j'ai fait avant, non? Que c'est tu suivais pas, ils tireront pas dessus. Bon, pas de gestes brusques. Revenons sur nos pas et réfléchissons. Salut. Par contre, quand même, la lampe torche de Moira qui est quand même magique, hein. Ouais, c'était plutôt le chemin, faut que tu fasses un tir autour d'un arrière, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y avait un petit piège, tu pouvais tomber sur un chemin alternatif qui te conduit pas au bon endroit. Et après, je peux les sucer? Non. Et là, exprès, tu sais, au dernier moment, je sors du truc. Je pense que là, tu vas me tuer. Non, non, c'est... Ah, tu veux là. Non, tu ne. Tu ramasses l'œil d'abord. Voilà. Et elle vient de suicider. Oh, je voulais remettre l'œil. Ah, c'est vrai qu'on se. Ça peut servir. Par contre, juste voir. Est-ce que ce serait assez mal de planquer un emblème? Peut-être. Genre, tu vois bien en bas de quelque chose. J'ai une idée. On va l'échanger avec l'œil orange. Ce qu'il fallait un peu faire en fait. Est-ce qu'il marche pas l'œil bleu avec l'autre truc, c'est ça? Bah, vu que c'est un artificiel, automatiquement c'est un faux. Alors, il faut vraiment le vrai œil qui est dedans. On prend les deux! On essaye quand même la technique du bug. Oh putain! Heureusement que je suis bouclier humain, hein. La parole c'est quitté lui. Mais je vois plus rien. Bonjour. Bon. Salope, d'où tu me cutes? Alors t'as vu ça? L'autre il est passé juste à côté de moi là. Tranquille. Je prends les deux. Remets-le juste. On n'arrivera pas, tu peux pas le faire bugger. Essaye quand même.
ça, hein, ça marche pas. Ah là là. Tu sais, il y a plein de joueurs, tu sais, les spécialistes en jeu, je cheat le jeu, qui te diront que non, ça peut oui, marcher. Mais ça on peut pas faire, je l'ai testé des millions de fois. Même si tu prends la console et que tu la balances par la fenêtre. Oh, c'est pour moi. Mais non, c'est pour moi. Oui, putain, mais la salope, elle a droit à tous les trucs que voilà. Hein. Vous lui les tripes. Moira, regarde. À l'intérieur de ce cadavre, c'est ce que je pense. C'est quoi ce truc? Ah non, tu arrives pas, il y a quelque chose ici, là. Il y a une carte aussi. C'est en bas de l'étage. Ah, pour une fois, on a la carte, parce que l'autre fois, je crois qu'on l'avait oublié. Zappé, c'est ça? Bon. À moi qui en ai, enfin. Non, il n'y en avait pas ou. Si, il y en avait peut-être une, il y en avait peut-être un peu, je sais pas. Ah ouais, donc on l'a zappé. Il ne donne pas toujours des cartes. Bon, bah maintenant on peut faire machine arrière. Vraiment? Oui. Faut aller où ensuite? Il faut retourner là où il y avait les portes de. Enfin, c'est là où il y avait le Prométhée, si tu préfères. Par là, on peut pas. Ça veut dire là où on a commencé le niveau ou... Oui, à peu près, on va dire. Oh putain. Attends, j'ai un doute là. Ouais, c'est bien ce que je me dis. On a fait le tour pour moi. Je me suis trompé de côté. Ta grand-mère, le schtroumpf. Ouais, ah, c'est bien ici. Ouais. Heureusement que je suis plus rapide que toi. C'est abandonné depuis longtemps. Neil, où es-tu? Dans ton string. Et la fille? Le foie, tu le sors toi, ça court fait un on t'a placé. Voilà. Ah monsieur, ça va bien avec ton foie? Il manque une moitié de foie. Et le truc, c'est que t'es attrapé, on a récupéré un œil. Hein. Hop là. Eh, vivement le truc avec les tourniquets. Ça sent la bouse de vache. Tiens, c'est une bouteille vide. On devait garder des animaux aussi. La meuf. Ouais. T'en as pas besoin, ta régénération infinie, je jette à terre toi. J'enlève esprit ma régénération infinie. Ouais, lol. Je sais pas. Ah, y'a trop d'énigmes là. Là, j'en peux plus. Ça fait longtemps que je suis plus habitué à ça. Dans un jeu d'antivol. Allez! Hein? Bon, ben quand on passera ici, Barry va se prendre une surprise. Pourquoi? Ben attrape-le pas. En fait, comme ça, les mines ne pètent pas avec nous, mais avec Barry qu'on repassera, ben ça a pété. Ah, ah oui, je les ai pas vus, les mines. Les nerfs rouges. Ben ouais. C'est ce qu'il y a au-dessus de leur tête, les ennemis. Ah, ok. On va les lui laisser, tu sais, hein. T'es d'accord, on aime bien. Parfois, tu peux faire fondre avec ta lampe torche. Ouais, mais tu sais bien que j'aime bien que Barry se les prenne, enfin plutôt Natalia. On y tue le bétail. Putain, il faut combien de filets mignons pour produire autant de sang? C'est ma grand-mère en string sur l'autoroute. Oh, le retour du vulcano machin bombe qu'on a affronté. Oui, parce que dans le présent niveau, on avait rencontré trois nouvelles bestioles. Les glaspes, hein, les ortus, c'est les chiens, et ça, les vulcano-bombes qui servent de mini-boss. Il est où ton pote? Et il est là-bas le Vulcano. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais que ça commence par Vulcan, mais j'oublie toujours la fin. Il y a un pied de biche ici. Hein? Ouais. Tu penses que c'est comme je dis? Ouais, je pense. Bon, bah, en tout cas, occupe-toi de l'autre. Bon. Alors. C'est qui a le gros magnum entre nous deux? Allez, vas-y, occupe-toi de Michel là. Oh, je faisais un magnum pour lui. Alors. Oh putain! Non, pardon, des flammes! Espèce de brune! Steve a posté un nouveau jeu sur le forum Ozantilicet si ça vous intéresse. Bon, il vient le gros là, je veux bien qu'il aille dans. Ouais. Et comme ça, vous allez me montrer qu'en fait son cuisse c'est de la merde. Shoryuken! Pas Shoryuken? Oh putain! Oh putain le gros esprit! Me barre. Heureusement que j'ai 4 bœufs sur moi.
Ah ah ah, je suis accroupi, je fais plus mal. La logique, n'est-ce pas? Ah, une sacoche pour moi. Juste quand tu as détruit le monstre. Ah bah... Ah oui, je me suis bien occupé pendant que t'étais en train de galérer. Ah. Ah, je suis content parce que maintenant j'ai encore plus de place. Alors, il était pas si dur que ça le vulcano machin? Ça va, à part qu'il m'a rentré dedans. Bon, ça va, j'ai encore 3 bœufs. Je pense à utiliser mon truc là. Ça va, j'ai encore 3 bœufs. Je vais le donner à Chris, il me reste encore qu'on puisse le montrer. Tu le donnes à Chris? Oui. Ta grand-mère en string sur l'autoroute. Ça, c'est ma meilleure insulte. Dépêche-toi. Ah non, c'est pas si menaçant que le magnum de Barry. Mais d'accord, c'est pas si menaçant que le magnum de Barry. Attends, on va voir. Par contre, ça, c'est menaçant. Téléportation, c'est changer de côté. Voilà. Alors, je t'explique avant qu'il y aille. Alors, au-dessus, t'as un coffre avec les pieds de biche. Et ici, t'auras le levier. Du coup, quand ça va s'activer, il faudra que, comme je serai coincé, il faudra que tu me sortes d'ici. En soit, t'arrives à faire assez vite ça, pour après que tu m'actives ça pour que je revienne. Ou soit, tu fais pas, tu m'actives directement ça, mais ça, tu peux pas avoir. Et parce qu'il va y avoir quoi là? Bah, c'est ça qui va se déclencher. En fait, moi, je vais te faire monter ici, avec les courtes échelles. Ça, ils seront tout là-bas. Et les trois là vont venir vers moi. Et du coup, ben, va falloir que tu m'ouvres cette porte qui sera verrouillée comme des par hasard quand j'aurai pris l'objet clé. Il va falloir que tu m'ouvres la porte avec ce petit levier là. Non, mais pas mettre. On va attendre un petit coffre. En soit, tu, si tu veux, t'arrives à le faire assez vite et tu me le apportes. Alors, ça me sauve, ou soit t'arrives pas. Et... Non, mais. Je te rappelle si tu... et comment tu fais le cours d'échelle? Bah, faut déjà que tu viennes, parce que si tu restes ici, bah tu te restes coincé ici, toi tu vas m'ouvrir la porte, du coup je peux plus te faire la courte échelle parce que ce jeu est con, est scripté. Sinon. Attends un peu, je me mets ça. Ouais. Je te fais la courte échelle. Et tu peux pas t'accroupir pour les éviter les autres? Non, parce qu'ils ont double lame. Ok. Alors essaie de faire vite les pieds de biche si tu peux, mais sinon, ouvre-moi la porte. Alors, attends, bah, ça on s'en branle. Hein. Accroche-toi. Alors. Ouais. Attends, mais il est où le truc? Ah. Ah. Vite. J'ai peur. Oui. Vite, saute. Ah, vite. Salut. Alors, on me fait confiance, hein? Allez, bisous. On leur fait un bisou? Non, parce que sinon, tu veux recommencer tout. Hein. Alors, ce que t'as récupéré, c'était quoi, une boîte rare? Ça. Ouais, une boîte rare, c'est cool, ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là? Eh non, ça, c'est à moi. Ouais. J'ai le droit d'avoir la clé de l'abattoir pour une fois. De toute façon, que je l'ai ou pas, je peux quand même ouvrir la porte. T'as vu? J'ai la classe pour une fois. Voilà. Oui, ma clé n'était pas sur moi. Ah, t'es d'accord? J'ai la classe pour une fois. C'était la classe pour une fois. Putain, à chaque fois, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un emblème dans la benne comme dans Resident Evil 5. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on m'a mis. Encore? Putain, ils font chier avec leur énigme à la con. Le réservoir n'est pas vide. Mon dieu, il y a quelque chose à récupérer là-dedans. On va mourir noyé dans du sang. Oui. Cool. Pistolet de fer. Ah, la pistolet de fer. Bon, moi ça va niveau pistolet de fer. Shoryuken. La pied de biche ici. Ah, j'arrive. Bien mal placé. Alors, je t'explique qu'en fait, ce levier te sert à actionner des poulets qui sont là. Et en fait, ces viandes, il faut les faire tomber dans la machine. Bah, avec le départ, il y a une vitre. Putain. Non. D'abord, il faut mettre plusieurs dedans.
Ah ouais, pas dedans. Oh oh oh. Plus de sang. Cette femme est cinglée. Ça fait plaisir. Hein. C'est mon cadeau d'anniversaire, c'est ça? Je tire dessus. Ah oui, c'est vrai qu'avec un pied de lit, je peux tirer. C'est pas plus pratique que ce soit moi qui le fasse. Oui. Ça met pas ta truc. Mais non, en plus ça me buste des balles là. Faut pas penser chiant, vu que les mines sont soir en plus. Ah t'as pas besoin de l'arrêter, tu peux continuer. Ah merde. Par contre je crois qu'il y a des amis qui vont venir chez toi si je me souviens bien. Tu sais c'est pas mal si je te fais pas au moins une fois un coup de puce. La bête, mais descends. Le magnum. Oh putain de merde. Oh, 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 oh putain. Ah, c'est mon soleil, c'est un petit tout rouge, c'est ça leur combat à la con. Nique ta mère. Nique ta mère. Je pense qu'on peut reprendre. Mais alors, là, tu tombes. Voilà. Oh, merci la cinématique. Il y avait des petites mines qui se sont déclenchées sous mes pieds. Ah bon? Oui, oui. Enfin, il y en a qui peuvent péter, alors qu'il y en a qui peuvent rester, on va dire... Pour Barry. Voilà. Putain, merci la cinématique. Je savais pas que les cinématiques pouvaient être pratiques. Je crois que le russe nous a repérés. Non. Ils vont nous encercler. Tu veux la foi pour être si tu veux. Ok. Vas-y, si tu veux. T'inquiète, t'as appétit, Marie Statier. Bah. C'est pas une très bonne idée, moi. Oh, pas rien. Bah, ça marche. D'accord. Vu que le mec il tire de loin, si je me mets devant sa gueule, par contre lui non. Alors, non, voilà. Dans la baie. Attends, je vais dire bonjour au sang. Oh putain bleu. En plus, ce qui est bien, c'est que le Soigne-toi. Je ne vois plus rien. Je ne vois. Est-ce que je peux voir quelque chose? Parce que là, je vois un peu rien. Moi, je vais finir dans la flotte, tu sais, hein. Ouais, à terre, ça fait... Bon. Ce serait con que ça me fasse game over. Non, Enfin... J'avais pas vu que c'était un comme ça avant de me taper. Je te désaffecte. Ah non, c'est toi qui as désaffecté. Ah, moi, je peux plus l'utiliser dans ton inventaire, carrément. Bon. Moi, de la ferme. Derrière toi. Je vais tous me les prendre en pleine. Je te désaffecte. Voilà. Merci. Comment je fais pour tes propres dans ton équipe? Ah d'accord, les mines pour Barry s'activent maintenant. D'accord. Tu sais que le pied de biche c'est mal. Salut, prends une photo. Ok. J'ai même rien. D'accord, hein. Alors, Moira, super résistant. Ah, tu fais fumer la tête. Mais moi, j'ai une hache de pompier. Non, ce que j'ai sur toi, c'est vivement que j'utilise des armes dans le dernier chapitre, hein. Ah, t'es d'accord? Non, t'utilises pas, toi. Oh, mais putain, j'ai marre de tout prendre, je vois rien. Oh, y'a pas de raison qu'il y ait que moi qui m'en prenne tout, là. Alors, journal du directeur. Sauf que toi, tu te régénères, moi, je suis venu me prendre toute la bleue que j'avais sur moi. Pourquoi le seul moment où Moira, elle est badass, je peux pas utiliser d'armes? Hein? Enfin, y'a que dans le chapitre bonus que je pourrais en utiliser. Ouais.
Tant mieux, parce que là, je commence à en avoir marre, hein. Ça, c'était simple. Bah alors, je peux combiner avec quoi? Non, juste bon partisan. Ah! Bon partisan là qui fait quand même très mal. Bon, moi je suis presque assez avec mon niveau pistolet, pistolet. Bon, ça devrait marcher. Je crois qu'il a faim. Ouais. C'est pour ça que j'ai reculé, t'avais vu que ça allait arriver. Ouais, je suis un enculé. C'est fou, avec tout ce qu'on s'est pris en explosion dans la gueule, on est encore vivant. Alors on va picoler un peu du vin. Ouais. Oh la beuh. Oh, un new pistolet pour moi. Que tu vas remplacer, hein. Bien sûr. Allez, viens remplacer en fait. P10. Ben, moi, je te laisse mon arme. Ok. Bon après t'inquiète pas, genre cette arme là, vu que je l'ai changé, elle sera dans mon atelier. Par contre, qu'est-ce que fout une arme à feu dans un truc à vin là? C'est l'arme à feu qui voulait, qui veut le picoler un coup. Encore? Là il y en a marre. Bon alors il y a la porte qui va exploser. Il y a un russe qui va nous attaquer. Oui. En fait il y a l'armée russe qui va arriver. Des zombies russes comme dans le film, tu sais, pourri le dernier. Bon, en même temps, ils sont quasiment tous pourris, mais bon. Ah oui, la phase de course poursuite. Enfin, de course tout court. Oh, tu es prêt? Allez, c'est parti. Merde. J'ai une tendance à pas aimer les timers dans les jeux vidéo. Hein? Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé Fear, vu qu'il y en a jamais de timer dans ce jeu. Ou les RPG en général aussi. Je crois que tu peux gagner un succès si tu le termines assez vite. Je savais que c'était un piège. Claire, mais bon. Je savais que c'était une bite. Claire, attends, parce que ça peut te par contre. Ouais. Ah non. Bon, je t'ai oublié. Moi, c'est du chacun son tour. Hein. Genre, c'est moi qui t'enlève une flamme, après c'est toi. Par contre, toi, t'étais rapidement blanc, je l'ai eu. Ouais, c'était rapide parce que c'était ton poumon, toi aussi. Bouge ton cul! C'est ce que je veux. Dépêche! Merci pour la bœuf. Alors attends, c'est quoi ça? Oh putain, les ennemis. Dégage-toi. Faut la mettre où ça? Là? Là où il y a un endroit pour monter. Salut! Ah là! Ouais. Aïe! Dégage. Mais il y a un putain de connard d'ennemi là. T'as une bombe artisanale, je te rappelle. Ouais, mais on aura pas besoin. Mais il m'énerve celui-là! Eh, t'as vu cet ennemi con là? Ouais. Il me faudrait de l'aide. J'espère que tu trouves quelque chose pour arrêter les flammes. Mais ça, ça ira pas plus vite. Hein. T'as dit juste. Si, ça va plus vite. Non, non. Ah si, parce que moi avant ça allait lentement. Tu peux spammer autant que tu veux, ça ira pas plus vite. Hein. Donc je peux appuyer très lentement? Oui. Bon. Prends tout ton temps. Je dis ce qu'il y a un timer au-dessus de notre tête. Ah quand toi tu peux remonter. Ça fait rire hein. Courons. Ouais, on a fini en moins d'une minute. Ouais. Caca. Toutes ces explosions qu'on prend en plein milieu. Oh là là, il restait 4 minutes, mais elles sont passées très vite le temps qu'on ouvre la porte. Hein? Non, mais ça me fait toujours rire, ça. Hein? Ils ont pas pu les respecter, les 4 minutes. C'est-à-dire, on peut se barrer tranquille avant d'entendre l'explosion. La sentinelle doit nous observer à chaque minute. Mais si elle pense qu'on périt dans l'explosion... On peut lui faire des fucks. La surprise. Nous ah, c'est... De lui trouver un... Je le sais. Comment tu le sais, salope? Parce que je le sais, salope. Non.
J'aurais dû t'écouter. Neil n'a jamais écrit ce message. Il n'a pas pu. Oh mon Dieu, il y a personne. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pas de bêtises. Bordel, il est avec Tirasave. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Pas de bracelet. Où est passé ton bracelet? Bracelet, tu prends pour une fille. Putain de merde, grand-père. Tu sais pas ce qui se passe? T'as intérêt à filer avant qu'il soit trop tard. Jamais. Ici, je suis chez moi. Alors tu sais le camp. Débarque sur notre île sublime et veulent tout détruire. Connard, papy Brochon. Problème, vous allez en avoir, c'est pour moi. C'est quoi ce boulot? Connard. Oh, capitaine niveau 3. Garde de tir niveau 3. Oh, ma... reconnecter la manette. Ah oui. Niveau 3. Par contre... Attends, le pistolet là il fait... Ah bah oui, il est déjà plus puissant. Alors, tu me rends ça. Comment ça tu veux pas me le rendre? Ah, tu fais X, ok. Bonsoir. Vous voulez mettre quoi? Ça va du dégât. Ouais, la cadence. Attends. La capacité. Alors, capacité. C'est quoi le fusil à la pompe que t'as déjà? Ouais, c'est bien sûr. Moi, ouais, petite la capacité sur le fusil à pompe, c'est pas mal. Ou attends, quoique, non. Parce que je sais que si je mets la capacité niveau 3 sous pistolet, j'ai 31 balles dedans. Ouais, mais ça. Ouais. Recharge pour le fusil à pompe. Une cadence de tir. Parce que c'est vrai qu'un fusil à pompe, c'est lent à recharger, c'est bien de le mettre. Ça fait. Allez, là, on va se marrer. J'avais pas une recul. Ah non, c'était avec Barry, ça. Je me disais, mais il est où, Marie? Mon recul. Et où mon fusil de sniper, mon Colt Anaconda? 31 balles. Ça, c'est les chargeurs. J'en ai marre des mecs comme lui. Tu veux dire comme Barry? Ah, y'a un problème. Tu lui dis, tourne à gauche, et il va tourner à droite, juste pour te faire chier. Oui, mon grand frère était comme ça, lui aussi. Une fois, j'avais vraiment pas besoin de... Chris, tire sur les mains gauche. Non, pouf, à droite. C'était ça, un peu, Raison de Tichis avec Pierce. Mais Chris, ne suis pas le serpent. Tu vas perdre toute ton équipe. Ah, on s'en rappelle, hein. Ouais. Ah, la carte. Putain, mais c'est fou. Que ce soit Léon et Crozer ou Chris et Pierce, ils ont jamais pu réussir à se marier au final. Payday. 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 Je crois qu'il y a un coffre ici, je crois, je suis sûr. Payday 36. Oh, d'abord. Vivement qu'on sera en phase de Woodbreak. Donc le prochain niveau, c'est dans le commissariat de Resident Evil 2. Je pense que tu vas aimer. Ça va te rappeler des souvenirs, hein? Hein? Ah! 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 T'es d'accord? Oui. Je vois que c'est encore une caisse. Caisse! Oh. T'as même pas sauté ici? Putain. Faire un petit tour à la table de craft. J'ai un couteau. Ah, ici, ouais. Ça sera pratique de voir cette porte-là pour Barry. Alors, c'est quoi? Tir multiple. Tir multiple. Oh, ça me... Hein? Il y a quoi? Tire deux balles à la fois. Il fait combien de dégâts? 172. Moi, je préfère mettre un tir multiple. Les dégâts, tu le mets au... Soit un pistolet mitrailleur, soit au fusil à pompe. Oh, pistolet mitrailleur, parce qu'il est pas trop. Non. Ah! Voilà. Il fait à peu près un dégât d'un pistolet normal. Ouais, c'est perfecto, ça. C'est perfecto. Ok. Comment on ouvre, alors? Attends, je vois... Je sais plus vraiment ce qu'il faut faire, mais... On va y arriver. Oh, ça va être marrant de tirer deux balles. Ça me rappelait le bon vieux Resident Evil 4 Jeremy Cakes. Sauf que c'était 3 balles avec l'arme, c'est le seul.
Ah oui, c'est le Beretta MQ3R, que tu sais, que Holt a gagné sur le forum grâce, tu sais, au jeu des énigmes qu'on faisait avec Léon. Ouais. C'est à qui le tour déjà? Bonne question. Si tu veux en poster une d'énigmes aussi, hein. Ouais. À la con. Bon. Et donc t'affiches la récompense. Il hein. y a une boîte d'éléments. N'est-ce ouais. pas? Ouais. Ben. Enfin, vous fouez. C'est l'alarme. Bon, il faut. Ce serait marrant d'ouvrir le truc à barrer, mais au final, on n'arrive pas à voir comment ouvrir. Parce que justement, il faut l'ouvrir parce qu'il y a une arme que tu ne vois pas quand tu l'ouvres avec Claire. Hein. On est d'accord. Logique. Alors, tu me dis comment c'est pour l'ouvrir. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Ah, c'est la tire de balle. Oh, ça a pas pété. J'ai balancé la bombe dans l'eau. Encore un! Et ils font chier ces mini-boss, hein! Ouais, sauf que celui-là, il a plus touchant, bah, vu que je peux pas esquiver dans l'eau. Moi, rien qui est en train de sodomiser un gros. Ah, bah enfin, boubou, hein! Salope! Non, 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 non! Putain. Je l'avoue. Bon, par contre, cette porte-là, elle va nous emmener à la prochaine étape, on faudra pas y aller tout de suite, hein. Tu peux enlever les trucs si tu veux. Par contre, faut pas y aller tout de suite. Et le mec est prêt. Rue ton cul. Parce qu'il faut trouver le truc là pour la laquelle. Enfin, pour la arme de. Alors, qu'est-ce que ça fait déjà? Il faut peut-être retourner en arrière, peut-être aussi, pour voir. Ouais, bon, on va retourner en arrière. On va faire la courte échelle par hasard ici. Téléportation. Je crois qu'il y a une caisse au-dessus, je crois. Et quelques petits trucs aussi pour toi. Ah bah ouais, pied de biche. Et là, je refais un petit truc téléporte en bas. Oh! Oh! Il y avait les boutons. Approche-toi. Oh mon dieu, c'est séparé. Non, tu ne balances pas la caisse sur la gueule. Ah, mais ça fait mal. Putain. Bon, moi, c'est pas que je me réjouis un full life. Parce que je t'explique juste, en fait, quand je me sonne avec une herbe, en fait, ça me sonne pas entièrement, faut que ça, quoi. En ce moment, vu que là, tu m'as... Contrairement à moi, j'ai amélioré les effets de l'herbe. C'est pour nous deux. Ah oui, c'est vrai. Mais je m'en fous. Remercie-moi quand même alors, justement. Dis merci, prosterne-toi devant moi et crie kiff comme. Par contre, pourquoi je peux pas prendre cette caisse de merde? Enfin si, je peux la prendre, je peux pas la faire descendre, c'est quoi cette logique de merde? Oh, bâtra. À moins que la caisse elle attende, du coup, y a que toi qui peux l'acheter alors. Ou moins, à moins qu'il faut la pousser. Bon. Vas-y, c'est de la faire tourner, comment j'arrive. Ou on peut pas la mettre dans l'eau. Bah si, justement, parce qu'il faut... Il la faut cette caisse pour aller là. À moins que... Approche-toi. C'est, mais... Normalement... Ah oui, faut la caisse. Alors pourquoi cette biaise, ça veut pas la faire descendre? Ah là, je sens que ça a été bugué. Bon, du coup, elle veut plus... C'est vraiment ça, c'est con. D'ailleurs, je peux la faire descendre, bordel. Alors, pourquoi il veut plus? Oh putain, c'est casse plus ça. Ah non, par contre, ça c'est chiant, là ça a bugué là, par contre. Pourtant, c'est pas un jeu d'Ubisoft. Ah 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 ah. Non, pfff. Allez, descends-moi cette putain de caisse. Je sais pas, pousse la caisse, je sais pas, quelque chose. Non, tu veux pas.
Parce que du coup, parce qu'il y aura la tombe, on pourra pas l'avoir. On l'aura. Et bon, il faut le truc de Barry là par contre, parce que je suis toujours pas allé en fait. Donc, on sera pas c'est, là. C'est là qu'il faut aller en haut. Ouais, justement là, j'hésite maintenant. Alors qu'à moins, que ça, c'est Résalus pour Paris alors. Je sais pas, c'est peut-être possible. Mais bon, ça paraîtrait un peu con quand même. Fouillons les alentours. Moi, je pense qu'il y a que Barry qui peut. On va dire prendre la caisse. Alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment mal fait. Hein. Attends, fouillons les alentours, sinon pour ouvrir quand même le truc de l'arme de Barry. Ouais. À moins qu'il y a que Barry, non. Je pense pas. Non, t'as pas les souvenirs aussi pourris que ça. Non. Alors. Ah, c'est peut-être ici. Pour Barry, peut-être monter là. Ah. D'ailleurs, ce truc comme pour Barry, là. Bon. Alors, quand on reviendra avec Barry. Je viens de me prendre un explosif. Oui, c'est normal. J'arrive. Bon, je suis content déjà, on a déjà résolu pour Barry, pour son arme. Que bizarrement, on ne voit pas là-dedans. À moins que c'est moi qui a mal vu alors. Mais... C'était où le truc avec Barry déjà? T'as fait Y en français, tu verras. Ah, tu me vois un peu de haut. Alors. T'étais monté par où? En fait, je t'explique. Ici, il y a des caisses qui me permettent de monter, qui me permettent de monter là. Ah, ok. Alors, vas-y, ouais, dis-moi s'il y a une arme à deux mains, franchement, là-dedans. Il y a un mur invisible. Oui, en plus, surtout, il y a un mur invisible. Enfin, bref. Non, mais j'adore le coup. Bon, ben, pour la caisse, je pense que c'est Barry qui peut sûrement la prendre. Je pense que c'est un truc pour te départager, je pense. Mon Dieu, le mur invisible m'empêche d'utiliser ce que Barry pourra. C'est con. Le pouvoir du mur invisible. Ah, parce que je pense que sinon c'est que Claire qui a toutes les bottes d'éléments et Barry lui se fait niquer, on va dire. Par qui?